Pour moi, ce que ce serait, c'est les nouveaux appareils électroniques qui sont plus petits, qui ont plus de puissance, ou pas. C'est pas comme les télés, là où c'est plus vieux et tout ça. Je connais plutôt la technologie d'un tout petit peu avant, donc la C8. Je sais pas ce que c'est. Ah bon? La technologie. J'ai vu des pubs pour qu'on achète des trucs où en fait il y avait des Nintendo Switch. Oui, je connais la tablette. D'ailleurs, j'étais en train de la regarder. Bah avant, téléphone, tu pouvais seulement téléphoner et ensuite tu peux aussi prendre des photos avec les nouveaux, tandis qu'avec les anciens, il fallait une caméra pour visionner. Avant, j'avais un voisin qui avait une télé où on peut jouer à des jeux vidéo, une Nintendo Switch, une PS4, très plein de trucs comme ça. Ben, je suis encore trop petite, mais je regarde souvent des enfants jouer à la tablette. Ouais. Ça s'est calmé en ce moment. Je trouve que c'est trop nul, hein, parce qu'en plus, c'est de plus en plus cher. Du coup, les gens qui insistent trop, ils font que payer de l'argent en plus que ce qu'il y avait avant. Et si la technologie continue à avancer, imaginons que tu aies un téléphone normal, qu'après tu vois pas et que tu veux suivre, du coup tu vas suivre, suivre, suivre. C'est surtout pour gagner de l'argent d'ailleurs, que c'est surtout pour remplir les poches du ministère et des banques pour que la technologie elle continue d'avancer. Du coup, moi, je préfère, ce serait bizarre de vivre sans argent. Sans argent. Parce que forcément, tu travailles mais tu gagnes pas. Mais en même temps, t'as pas besoin de dépenser pour avoir. Du coup, ça se suivrait. Mais peut-être pas tout le long. Ce qui est sûr, c'est que je me trouve, c'est que je sais pas ce que c'est le futur, mais par contre, je sais que c'est une planète sur laquelle, eh ben, il y a des robots qui nous filment. Les robots, ouais, j'en ai un mini chez moi où ils peuvent faire quelques gestes. Il est à moi. Tu achètes un robot normal ou un vieux robot et ensuite tu le reprogrammes et tu fais qu'il ait un peu plus de métal autour de lui. Tu le programmes pour qu'il combatte et qu'il obéisse à tes ordres. Ben, il va aller attaquer les autres et obéir à tes ordres. Du coup, je pense que les humains, c'est mieux les humains parce que tu peux pas les programmer pour leur dire va faire ça. Je sais que je peux pas me combattre contre des robots, mais je sais qu'ils vont pas venir sur la Terre, ils vont rester sur la planète Mars. Je sais pas, mais peut-être, en fait, peut-être qu'un jour ils vont venir sur la planète France, mais alors ils vont tuer tous les humains. Ils n'ont pas intérêt parce que de toute façon, pour créer les robots, il faut des humains, donc ça n'a pas de sens. Et pour réparer les robots, il y aura des humains. Du coup, de toute façon, il y aura des humains, donc ta question n'a pas de sens. Si ça continue comme ça, surveiller, on nous surveillera, oui. Mais on nous surveillera peut-être pas chez nous. Mais les robots, c'est sûr qu'on en aura beaucoup, ça remplacera quasiment tous les métiers. Mais l'homme, il peut pas rester sans faire quelque chose justement parce que sinon il s'ennuie et il commence toujours par faire de l'agriculture ou tout ça. Mais les robots, oui, je pense qu'il commence à y en avoir trop. Les abeilles, elles sont en voie d'extinction. Et du coup, on remédie ça on met des robots à la place plutôt qu'on les aide. Moi, je préfère la nature en plus. J'ai jamais vu de baleine, je crois, à part dans les reportages. Je crois que des dauphins, c'est la même chose, sauf dans les reportages. Bon, j'avoue, dans les reportages, j'ai déjà vu des cachalots, des trucs bien rares. Bah, je cours, j'explore les grottes, j'essaye de grimper. Quand il y a des trucs pour grimper, bien sûr. Je fais du vélo quand j'ai mon vélo. Je mange des fruits quand il y a des fruits. Je me balade, quoi. Je cours avec mon chien. Je fais la course avec lui. Et dès que je lui dis, viens, Mitaine, on fait la course. Je préfère déjà la nature à la technologie quand même. Pourquoi?
Parce que la nature, déjà, sans arbres, on peut pas vivre. Parce que l'arbre produit de l'oxygène, de l'air. Et la nature, bah, c'est ce qui nous permet de vivre. Et si on remonte dans le temps, la nature, c'est ce qui nous a permis de nous développer, d'augmenter. Et les catastrophes naturelles, on pourra quand même pas les éviter. En plus, il y a une algue créée par nous qui envahit toute la nature. Je préfère être heureuse et je préfère être heureuse et contente et triste parce que triste, c'est bien de sortir ses émotions quand même. Du coup, moi, je préfère vraiment ne pas avoir d'autres armes. C'est quoi d'autres armes ? Je préfère que les robots, ça s'arrête ici. Déjà qu'il y en ait moins. Et du coup, moi, je les appellerais plutôt les armes, parce que c'est des armes contre l'environnement. En plus, ce qui est bien pour eux, pour les agriculteurs, c'est que les abeilles robots, tu peux mettre des pesticides, ils vont pas mourir. Les abeilles normales, elles meurent avec les pesticides. Je cours, je me sens bien. J'ai la vie devant moi qui me sourit. Du coup, je vais bien. Moi, j'aime bien l'odeur du gel hydroalcoolique. Et maintenant, j'ai envie de couper et de faire un gros câlin.